أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالإخوة الكرام، قالت ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس، وما زلنا في شرح الكتاب النحو الواضح، وسنرى اليوم إن شاء الله الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابها. Nous allons voir le verbe au présent qui est mu'tal, c'est-à-dire qui se finit par une harf illa, une harf illa, comme on a dit, c'est une lettre qui est malade, qui soit ne peut pas porter une harakat, soit peut la porter mais avec difficulté. D'accord ? Faut s'imaginer que une lettre malade, c'est une lettre qui a du mal à porter les harakat, comme un homme qui est malade, qui a du mal à porter une charge. D'accord ? Et donc, dans l'autre partie, vous avez les. Tout le reste des lettres sont sahih, c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé, ils peuvent porter toutes les harakat. Yataradda al-ghulam. Donc l'enfant se nourrit. Awaddu an yataradda al-ghulam. Akhsha al-barda. Donc awaddu an yataradda al-ghulam. Donc j'espère en fait que l'enfant va se nourrir. Akhsha al-bard. Je crains donc le froid. يجب أن أخشى البرد. Il faut que je craigne le froid. لماذا تنسى وعدك؟ Pourquoi tu as oublié? Tu oublies donc ta promesse. لا تنسى وعدك. Donc n'oublie pas ta promesse. Tu n'oublieras pas ta promesse dans le futur. أنت تدنو من الكبش. Donc toi tu t'approches du mouton. Je crains que tu t'approches, j'ai peur que tu t'approches du mouton. Yasfu al-jaw. Donc le climat en fait s'éclaircit. Yasurruni an yasfuwa al-jaw. Donc cela me rend heureux que le climat s'éclaircisse. Ya'du al-hisan. Donc le cheval avance. Lan ya'du al-hisan. Donc le cheval n'avance pas. Ashtahi at-ta'am. Donc j'aime cette nourriture. Lan ashtahi at-ta'am. Je n'aime pas cette nourriture. Yajri al-ma. Donc l'eau ruisselle. Uhibbu an yajri al-ma. J'aime quand l'eau ruisselle. Ya'wi al-dhi'b. Donc c'est le loup qui crie. Lan ya'wi al-dhi'b. Donc le loup ne fait pas ne crie pas. لم يتغذى الغلام. Donc l'enfant ne mange pas. L'enfant n'a pas mangé. لم أخشى البرد. Donc je n'ai pas craint le froid. لا تنسى وعدك. N'oublie pas ta promesse. La promesse. Ta promesse. لا تدنو من الكبش. Ne t'approche pas du mouton. لم يصفو الجو. Donc le climat ne s'éclaircit pas. لم يعدو الحصان. الحصان. Donc le cheval n'avance pas, n'a pas avancé. Lam ashtahi at-ta'am, je n'ai pas aimé donc la nourriture. Lam yajri al-ma, le ruisseau n'a pas coulé. L'eau n'a pas coulé, n'a pas ruisselé. Lam ya'wi al-dhi'b. Donc le loup n'a pas fait son cri. Al-ba'th. Unzur ila al-af'ali al-mudara'ati at-tis'ati fi al-qism al-awwal. Donc regarde en fait les verbes au présent dans la première partie. Ici là. Yataradda, akhsha, limada tansa, etc. Anta tadnu, yasfu. Tajiduha jami'an mu'atal al-akhir. Tous ces verbes là. Yataradda, akhsha, tansa, tadnu, yasfu, ya'du. Tous ces verbes là se termine par une harf al-illa, qui sont la lettre alif, yataradda, la lettre waw, yadnu, harful ya, ashtahi. Al-thalathatu al-ula minha bil alif. Donc les trois premiers se finissent par alif, yataradda, akhsha, tansa. Wal-thalathatu al-thaniya bil waw. Les trois suivantes, anta tadnu, yasfu, ya'du, se finissent par une waw, la lettre, le harf waw. Wa thalathatu al-akhira bil ya.
Ashtahi, Yajri, Yaoui. Ils se finissent par un Ya. Donc toutes ces lettres-là sont des Minal Huruf al-Illa. Watajidouha, Jami'an Mu'araba, Li Khulouwiha, Min Nouni Tawkid, Wal Inath, Wa Jami'ouha, Marfoua, Li Khulouwiha, Min Adouat, Nasbi Wal Jazm. Donc tous ces verbes-là, ils sont Mu'arab. Li Khulouwiha, Min Nouni Tawkid. Car ils ne sont pas connectés avec des nouns de tawkid. On a vu que lorsqu'il est connecté avec un noun de tawkid, fi'l mudari', il devient, il n'est plus mu'rab, mais il sera mabni. D'accord? Wal inath. Et ce verbe au présent ne sont ni connectés avec le noun de tawkid, ni connectés avec le noun de l'inath, c'est le noun al-niswa, de la marque du féminin, troisième personne du pluriel féminin. Car lorsqu'ils sont connectés donc avec ces deux types de nouns, c'est-à-dire nun taoukid et nun aniswa, ils sont mabni. D'accord? Mais là, vu qu'il n'y a pas ces nouns là, ils seront mu'arab. D'accord? Wa jami'uha marfou'a. Ils sont tous marfou'a, ces verbes. Pourquoi? Li khulouwiha min adawati nasbi wal jazm. Il n'y a pas de adat nasb devant le verbe, yataradda akhsha, ni de adawat al jazm. Donc ils seront marfoua. D'accord? Walakin ma sababu fi adami dhuhuri dhamma. Ils sont marfoua, mais on voit qu'il n'y a pas de waou. Il n'y a pas de dhamma. Hein, yataradda akhsha. Où est la dhamma? On a vu que le fi'l, lorsqu'il est mu'arab, il se finit par une dhamma. Lorsqu'il n'est pas devancé par une particule du nasb et du jazm. Où est cette dhamma? ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها؟ الضمة qui est donc le signe du رفع du verbe. السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة. La cause est que tous ces verbes-là se terminent par la partie, par une lettre, par une harf illa. وحرف علة إن كان ألفا تعذر ظهور الضمة عليها. Et lorsque cette harf illa est un alif, comme dans les trois premiers verbes, yataradda akhsha tansa, il est impossible, hein, ta'adhur, il est impossible que la dhamma apparaisse. D'accord? Wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustathqilan. Et ici, pour ces deux cas, ces deux derniers cas, c'est-à-dire les verbes qui se finissent par un waw et par un ya, la dhamma n'apparaît pas car c'est lourd pour le harf waw. On va pas dire yasfou, c'est trop lourd. Yashtahiyu, trop lourd. Les arabes, pour se faciliter la tâche, ont supprimé. Mais on ne peut pas dire que c'est ta'addur, on ne peut pas dire que c'est impossible, c'est juste lourd. D'accord? Donc impossible pour le alif, hein, il y a ta'addaou, impossible. On ne peut pas mettre de dhamma sur le alif. C'est pour ça qu'on dit mana'a min dhuhriha at-ta'addur. Ici, tadnou, c'est trop lourd. Yashtahiyu, trop lourd. وإن كان واو أو ياء كان ضمه مستثقلا. Donc ça sera lourd pour la harf waw qu'elle puisse supporter la dhamma. ولذلك لم يكن هناك بد من بقاء حرف العلة ساكنا والتقدير ضمة عليه في جميع الأحوال. ولذلك لم يكن هنا بد من بقاء الحرف العلة ساكنا والتقدير ضمة عليه في جميع الأحوال. Donc c'est pour ça qu'on va dire que on va dire qu'il y a un taqdir, c'est-à-dire qu'il est sous-entendu, la dhamma est sous-entendue.
انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني، تجدها معربة كما كانت في القسم الأول، ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. Ici dans la deuxième partie, vous verrez que أود أن يتغذى يجب أن. Tout ça, ce sont des adawat, c'est la adawat nasb. لن تنسى. Donc le verbe va devenir mansoub. D'accord ? وإذا بعثنا في أواخرها لم نجب للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألف. Donc ici, أود أن يتغذى. On voit que le أن n'a pas vraiment d'influence, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir de changement en apparence du verbe. يجب أن أخشى. لن تنسى. لماذا تنسى ? Pas de différence. بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو يا. À la différence des verbes qui se finissent par يا et par واو. أخاف أن تدنو. لن أشتهي. Là, on voit que la fatha est ظاهر. Elle est apparente. Pour les verbes qui se finissent par un waw et un ya. Par contre, on ne la voit pas lorsqu'ils se finissent par un alif. Ok. فإن النصب فيها ظاهر والسر في هذا الاختلاف أن الألف يتعذر تحريكها ولذلك تقدر عليها الفتحة في حال النصب. On va dire ici, dans ce premier cas, lorsque le verbe se finit par un alif, lorsqu'il est précédé d'une adat nasb, on va dire que yata'adha, ici on va dire que la fatha est muqaddara, c'est-à-dire qu'elle est sous-entendue. D'accord ? Elle existe, mais elle est sous-entendue. On ne va pas l'écrire. Amma al-wawu awliya famina sahli an-nutqi bihima مفتوحتين ولذلك تظهر عليها الفتحة عند النصب. Par contre pour le lorsque le verbe se finit par un wa ou un ya, on voit que c'est facile de prononcer tadnoua. C'est pas ni lourd, c'est ni impossible, c'est facile. Donc ashtahiya. Donc on va l'écrire. انظر إلى هذه الأفعال مرة ثالثة في القسم الثالث تجدها معربة كما كانت في القسمين السابقين ولكنها صارت هنا مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها. Par contre ici, tous les verbes ici qui sont précédés par lam, c'est-à-dire dat al jazm, soit lam ou bien lanahia, on voit que la hafra illa saute, disparaît. Yataghadha, lam akhsha, lam tansa, la ya'adou. ولكنها صارت هنا مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها فما علامات الجزم فيها نتأمل أواخر هذه الأفعال نجدها محذوف. On voit que le harf illa dans tous ces cas lorsqu'ils sont précédés par adat al jazm il est supprimé. وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين. Alors que dans les deux autres cas précédents, c'est-à-dire lors du raf et du nasb, elle était présente cette harf illa. Par contre, lorsque le verbe est majzoum, cette harf illa disparaît. وإذا بحثنا عن السبب في ذلك لم نجد سببا سوى دخول الأدوات الجازمة عليها فهي التي حذفت هذه فهي التي حذفت هذه الأواخر وبذلك يكون هنا الحذف علامة الجزم. Et donc le علامة الجزم du verbe donc qui mu'tal, c'est la suppression de cette harf illa. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة مقدرة. Donc خلاصة, c'est-à-dire résumé, la قاعدة, la règle, le fi'l mudari al-mu'tal al-akhir yurfa'u bi dhammati muqaddara. Le verbe au présent qui est mu'tal, il est, on va dire qu'il sera marfou' bi dhamma al-muqaddara. Comme dans ces cas-là.
يتغذى أخشى تدنو يصفو أشتهي. إليه مرفوع بواو المقدرة. على الألف والواو ويا، وينصب بفتحة مقدرة على الألف. وينصب بفتحة مقدرة على الألف. إليه Le verbe, ces verbes-là seront mansoub bifatha muqaddara ala al-alif. Lorsque le verbe se finit par alif, yataghadda, on va dire qu'il est mansoub bi al-fatha al-muqaddara. On voit qu'elle est, elle n'est pas apparente. Tansa. Wa dhahiratin ala al-waw aw ya. Par contre, il est mansoub bil-fatha al-dhahira. على الواو وعلى الياء تدنو لن أشتهي ويجزم بحذف الآخر. Par contre, il est majzoum بحذف حرف العلة comme nous l'avons vu ici لم يتغذى لم أخشى. تمرين يختفي الخفاش بالنهار. Donc la chauve-souris se cache pendant le jour. يختفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء. Il est مرفوع بضمة مقدرة. Sous-entendu على الياء. الخفاش فاعل مرفوع بضمة بالنهر باء حرف جر مبني على الكسر والنهر مجزوم مجرور بالياء بالباء وعلامة جر الكسرة. لم ينمو الزرع لم دونك حرف النفي والجزم مبني على السكون. ينمو فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف الواو بس كلا باس نما ينمو et lorsqu'il est précédé donc du lam لم ينمو on va supprimer الحرف العلة. والزرع فاعل مرفوع بالضمة. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.